Julie, tu es en direct, tout le monde t'entend et tout le monde te voit, donc tu peux démarrer. Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation de la Tanzanie hors des sentiers battus. Je me présente, j'ai une petite fiche qui va me présenter. Mon nom, c'est Julie Veillette, je suis directrice et propriétaire de East African Voyage, qui est un tour opérateur en Tanzanie. Et ça fait environ 12 ans qu'on est en opération. Personnellement, je suis mariée avec un Tanzanien qui est aussi copropriétaire. Vous le voyez ici. Non? Et j'ai deux enfants, ma fille et mon garçon, qui sont ici. Moi, je suis arrivée un peu en Tanzanie parce que je travaillais pour le tribunal pénal pour le Rwanda. Donc, à la base, j'ai une formation dans droit comme avocate et je faisais de la défense. Et j'ai bougé pour devenir pour le tourisme. Donc, c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc, je vais vous faire partager ma passion envers la Tanzanie et le tourisme. Comment faire un voyage hors des sentiers battus? Moi, je vous dirais que quatre items, c'est un, avoir un pays qui s'arrête comme la Tanzanie. Deux, avoir une compagnie de safari spécialisée en aventure. Deux, avoir un itinéraire des activités intéressantes. Et quatre, avoir le budget. En Tanzanie, c'est toujours une considération avoir le budget pour pouvoir faire les activités que l'on souhaite faire. Donc, pourquoi la Tanzanie, c'est une destination hors des sentiers battus? En gros, en Tanzanie, il y a une vie sauvage pratiquement intacte. C'est pas comme dans d'autres pays où les réserves sont clôturées. En Tanzanie, les animaux voyagent d'une réserve à un autre sans aucun problème. Les populations ont gardé leur mode de vie traditionnel. Donc, si vous allez voir les Maasai, vous allez voir les Hadzabé, vous allez voir d'autres populations locales ici. C'est vraiment comme ils vivent. C'est pas une reconstitution de leur vie, c'est pas une reconstitution de comment ils réagissent. C'est vraiment traditionnel et c'est ça qui est intéressant de ce côté-ci. En Tanzanie, il y a une multitude de lodges atypiques que vous pouvez utiliser pour voir comment vraiment pour faire des expériences assez exceptionnelles. Dans la région nord. Puis ça, on va revenir là-dessus. C'est vraiment facile de voyager d'un parc à l'autre. Et vous avez une multitude d'activités. Puis là, je ne les nommerai pas tout, mais balade à pied, rando, kayak, vélo, zipline, etc. Donc, une petite question sur la migration. Parce que ça, c'est une question qui revient toujours, toujours en Tanzanie. La migration, quand est-ce que je peux la voir en Tanzanie? Ben, la migration, ça le dit, ça migre. Donc, ça passe d'un point à un autre en Tanzanie. Donc, de décembre à mai, ils sont vraiment plutôt dans le sud. Ici, c'est la région de conservation du Ngorongoro. Donc, décembre à mai, les animaux sont vraiment dans cette région-là. Juin, juillet, août, ils remontent plutôt vers la partie est. Donc, ils sont ici. Juin, juillet, août, sont plutôt dans l'ouest. En juin, c'est le moment, juin, juillet, c'est le moment où c'est le plus difficile d'apercevoir de la migration. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est une partie très boisée. Donc, c'est dur de faire d'observation de migration. Tandis que quand ils sont ici, ça, c'est vraiment des plaines à l'infini, on peut les voir vraiment plus facilement. Et août, septembre, octobre, novembre, bon, là, on dit octobre, novembre, ils sont au Kenya, mais sur la frontière, eux ne connaissent pas de frontière, il y a encore beaucoup de migration. Dans la région nord ici, à partir de, je dirais, de août à novembre, c'est vraiment la région nord ici. Si vous voulez apercevoir la migration, c'est possible d'y aller. Je vais juste effacer mes barbeaux, vite fait, bien fait, pour vous montrer. La région centrale, il y a la région centrale dans le Serengeti, qui est ici, qui s'appelle le Seronera. Cette région centrale-là, un, comme vous pouvez voir, la migration est tout autour de la région centrale du Serengeti et ça vous permet d'apercevoir les animaux à l'année longue parce que j'ai des populations qui sont non, qui ne migrent pas, donc qui restent en place tout le temps dans cette zone-là. Donc, il y a beaucoup de campements, il y a beaucoup d'hôtels qui sont dans cette zone. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de touristes, il y a un peu plus
de va-et-vient dans cette région-là, parce que toutes les régions ici, vous passiez par le centre pour pouvoir aller au nord, fait que vous faites Ndutu, centre, centre-nord. Le Serengeti, c'est grand. Donc, pour passer environ du central Serengeti au nord-nord-nord, vous comptez à peu près 6 heures de voyagement assez direct. Donc, faites pas central Serengeti, nord, retour à Ngorongoro, descente à Arusha. Faut vraiment que vous vous fassiez attention sur le Serengeti pour savoir comment vous y rendre. L'autre chose que je me suis... Une chose que les gens, surtout en tant qu'agent, c'est vraiment toujours la question, c'est on veut voir la migration, là vous vous rappelez jamais où est-ce que la migration est. Est au nord, est au sud, est à l'est. Bref, mon conseil, il y a beaucoup de campements qui suivent la migration. Donc pendant un bout de temps, ils vont être au nord et pendant la période que la migration est au sud, ils vont être au sud. Donc il y a ce qui s'appelle, mettons, Angata, un exemple. Angata, ils ont des campements au centre et il y a un campement qui s'appelle Migration Angata. Donc ce campement-là va être soit au sud, soit au nord. Donc, c'est facile. Vous choisissez le campement Angata, peu importe c'est où, ils vont suivre la migration. Vous êtes sécurisé pour vos clients de ce côté-là. Donc, ça, c'est quand même une bonne façon. La migration que vous voulez, que les gens veulent souvent voir, c'est ceci. La rivière Mara et ou la rivière Gourmeti. La rivière Mara, oui, c'est au Massai Mara, mais elle est aussi en Tanzanie. Donc, c'est la même rivière qui descend du Kenya à la Tanzanie. Donc, la traversée des Gnous, vous pouvez les apercevoir au Kenya. Vous pouvez aussi les apercevoir dans le nord du Serengeti en Tanzanie. Et il y a même plus de rivières Mara dans le Serengeti qu'il y en a dans le Masai Mara. La rivière Gourmeti, même chose, vous pouvez apercevoir des migrations de Gnous à certaines époques, c'est sûr, dans le Serengeti aussi. Donc, c'est vraiment ces images-là peuvent être pris tant au Kenya qu'en Tanzanie. Je vous envoie aussi maintenant un petit peu d'images sur la vie sauvage en Tanzanie. Qu'est-ce qu'on peut percevoir? C'est le Serengeti. Bon, ici, je vais vous montrer. Ici, c'est une auto. Donc, non, vous n'êtes pas seul dans le Serengeti, mais comme vous voyez, elle est assez loin. Personne ne l'a vue. Et ils ne peuvent pas couper au milieu. On doit suivre les routes pour pouvoir arriver là. Donc, ça ici, mes petits lions qui se font dorer la bedaine au soleil. Ça, c'est vraiment le central Serengeti. Et là, il y a beaucoup d'autos. Mais ils sont quand même assez loin aussi. Donc, c'est quand même, quand on vous dit, c'est plus le plus de gens au central. Oui, il y a plus de gens. Mais c'est quand même pas, en général, non plus une catastrophe. Vous pouvez faire l'observation si vous êtes assez chanceux, de façon assez indépendante. Le Tarangire, la rivière Tarangire et ses millions d'éléphants. Une chasse qui a été fructueuse. On voit ses moustaches un peu rouges. C'est des scènes qu'on peut apercevoir. Toutes ces scènes-là, vous pouvez les apercevoir relativement facilement, peut-être pas tous les animaux, mais dans un safari de 5 à 6 jours, où vous allez probablement tous voir des trucs similaires à ça. Ça, c'est un wildcat, lui, il est plus dur à percevoir. Mais bon, vous trouvez toujours quelque chose de fantastique à chaque fois que vous y allez. Donc, pour ma partie vie sauvage, je te dirais que c'est un truc qu'on a les parcs et on a les exclusivités en Tanzanie de ce côté-là. L'expérience Maasai, qui est quand même une expérience hors des sentiers battus si on la fait correctement, ces gens-là s'habillent de cette façon-là dans la vie normale. Donc, ils ne se réhabillent pas pour recevoir les touristes de cette façon-là. Non, c'est vraiment leur façon dont ils s'habillent. Juste pour vous dire à quel point, chez moi, j'ai un chauffeur qui nous assiste pour emmener les enfants à l'école. Et le matin, il arrive, il est habillé comme ça. Puis il emmène les enfants à l'école. Donc, même en ville, ils vont s'habiller de façon traditionnelle. Donc, c'est vraiment pas le côté problématique qu'on voit, qu'on dit non, non, c'est pas reconstitué, c'est vraiment authentique de ce côté-là. Aussi, l'autre question, les gens souvent, ils nous arrivent et ils disent, on veut voir le Maasai, mais on ne veut pas aller voir la pauvreté, puis on ne se sent pas bien d'aller voir les populations locales parce que c'est quelque chose qui, ça nous rend mal à l'aise, machin chouette, machin chouette. Les Maasai ne pensent pas qu'ils vont vous montrer leur pauvreté. Eux, ils gardent leur mode traditionnel, ils sont contents. Ça fait un peu l'effet qu'on essaie de reconstituer avec les villages qu'on travaille. C'est l'effet, un peu quand vous allez dans un Airbnb ou quand vous allez chez l'habitant passer un week-end. C'est vraiment cette espèce d'interaction qui nous anime de ce côté-là. Parce que
C'est ce qu'on veut, c'est vraiment ce qu'on veut recréer. On aime que les gens aient des interactions directes. Bref, là, ils préparent la soupe traditionnelle. Ils montrent à une cliente comment préparer la soupe traditionnelle. Ça, c'est le guide francophone qui voyage, mais qui aussi fait partie de l'expérience quand il arrête chez les Maasai. Et ça donne vraiment une belle expérience d'intégration. Eux sont très fiers. Souvent, on fait des dégustations de viande comme ça. Eux, ils le font de façon traditionnelle. Ils cartent ça sur des branches. Et là, c'est une viande qui ne coupe pas à moitié. Donc, tu as toute la pièce de viande qui est là. Donc, le gras qui est autour de la viande fond tranquillement. Et ça fait une viande très, très délicieuse à manger. Puis, si on ne veut pas manger, ce n'est pas grave. Si on en fait plus pour eux, ils vont être contents de la manger eux-mêmes. Il n'y a aucun souci à avoir de ce côté-là. Fait que ça, c'est très bien. Ce que je vous demanderais d'éviter, par contre, il y a un village reconstitué qui est dans le Ngorongoro Conservation Area. C'est pas chouette, ça. Vous allez, t'as vraiment une différence. Pour eux, c'est comme un deal. On les paye. Eux, ils sont contents de recevoir des. T'sais, eux, avec ça, ils financent les écoles, ils financent des projets comme les projets d'eau pour le village. Donc, ça fait vraiment un bon équilibre. Tandis que dans la région de conservation du Ngorongoro, c'est vraiment une reconstitution. Et ça manque un peu d'authenticité. Toutes les autos arrêtent là. C'est du continuel. Un autre truc aussi qui est très chouette dans des sentiers battus, c'est de faire une chasse avec les Hadzabé. Les Hadzabé vivent encore de façon traditionnelle. C'est sûr que ça change. Vous voyez ici, ils portent le pantalon, là, où est-ce que je vais encadrer. Donc, ils portent le pantalon qu'ils ont coupé. Ils coupent toujours en short, ils n'aiment pas les pantalons longs. Mais en général, dans le haut, ils vont encore conserver leur peau, leur peau animale. C'est des chasseurs-cueilleurs, donc on part à la chasse avec eux. Ils nous montrent un peu comment utiliser leurs armes, mais c'est eux qui vont chasser parce que bon, on serait incapable d'utiliser ça. Si on a réussi à atteindre une cible de, je sais pas moi, 3 mètres par 3 mètres avec leurs armes, c'est beau. Mais eux, ils partent, ils chassent, tchoum! Ils voient un animal, ils le prennent, ils le chassent, ils le mettent à la ceinture et aussitôt qu'ils en ont peut-être deux, trois petits oiseaux, partent un feu, mettent les oiseaux sur le feu. Et plume les oiseaux, mange les oiseaux. C'est vraiment particulier, c'est vraiment un mode de vie comme qu'il y avait 3000 ans avant. Ça change tranquillement. Je ne vous dis pas que dans 20 ans d'ici, ça va encore exister de façon traditionnelle puis aussi pure, mais là, ça existe encore, puis c'est vraiment dans les dernières générations qui ont ce mode de vie-là, fait que ça vaut vraiment la peine de faire un détour. Pour faire ça, j'ai besoin du monde relativement en forme, donc qui peut soutenir une marche 1 à 2 heures assez soutenue, avec une bonne chaleur, mais c'est quand même très, très, très chouette. Donc, l'expérience via, ça, c'est l'expérience via authentique, avec des rencontres atypiques. Tandis qu'ici, le lodge en tant que tel, c'est une expérience. Si vous voyez, vous avez une chambre vraiment très chouette, super piscine creusée avec vue exceptionnelle, mais ça ici, là, ce qui a l'air d'être une petite cabane, mais ça, c'est le lodge. Ça ici, c'est ma chambre qui est ici. Donc, c'est vraiment, ça rentre dans les projets d'écotourisme. Ce lodge-là subventionne les écoles primaires, l'hôpital qui est dans le coin. Et là, à partir d'ici, ben, tu peux faire des journées de marche, mais exceptionnelles, avec là, vraiment personne à côté de toi. Tu peux visiter des villages Maasai. Tu peux vraiment intégrer la vie très relaxe et rentrer, faire un beau plongeon, une bonne bouffe et te reposer dans une hutte Maasai, mais adaptée. J'ai rarement envoyé des gens là qui ont moyennement apprécié. En général, les gens apprécient beaucoup. Mais ça, il faut réserver un peu d'avance parce qu'en général, c'est quand même assez occupé. Fait que ça, c'est un beau projet authentique qui fait en sorte que le lodge devient l'expérience. Sinon, Muiba Lodge, ça, on parle plutôt du 5 étoiles. On n'est plus dans les mêmes budgets. Très beau design. Et là, ça, c'est juste en bordure du Serengeti. Il y a une réserve privée dans le Serengeti qui appartient au groupe de Muiba Lodge. Et si vous allez là-bas, eh bien, il y a juste les clients de Muiba Lodge qui peuvent faire des safaris dans le Serengeti avec, ben, pas dans le Serengeti, pardon, dans la réserve privée adjacente au Serengeti avec cette compagnie-là. Donc, il y a vraiment personne là-bas. Là, vous êtes dans des gros budgets, par contre. On parle d'environ 1 000 à 1 500 $ par jour par personne. Donc, on n'est pas on est vraiment dans du de luxe. Mais c'est des places exceptionnelles qu'on peut faire. D'autres places un peu entre les deux, c'est des places un peu comme Treetop, où là, à même le baobab, tu as une chambre et
tout ce qui vient avec. Donc, c'est vraiment chouette. La facilité de la région nord de la Tanzanie, contrairement au Kenya, parce qu'on fait aussi le Kenya, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que les parcs sont très séparés l'un de l'autre, tandis que dans la région nord de la Tanzanie, les parcs sont très près l'un de l'autre. Donc, Arusha est environ, Arusha est ici. Donc, il y a une route qui fait relativement quelque chose comme ça. OK? Et de Arusha, se rendre à la porte de Ngorongoro, on parle de 2h30, 3h. Donc, ce n'est pas une distance 2,3, je veux dire. 2,5, pardon. 2h30. Excusez mon talent de dessinatrice. Et aussitôt qu'on rentre le cratère de Ngorongoro, là, on est dans un parc. Donc, il n'y a pas, ici, on voit qu'il y a une séparation entre le Serengeti et le Ngorongoro, c'est une séparation artificielle. Donc, il n'y a pas au visuel, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas rien. Il y a une gate ici. Mais là, aussitôt qu'on rentre là, on est relativement dans un emplacement naturel. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Le lac Manyara qui est ici, le Tarangire, que vous rentrez comme, à peu près comme ça. Le parc d'Arusha qui est là. Donc, le Kilimanjaro. Donc, tout est très, très près. On parle de maximum 3 heures de déplacement entre un parc et l'autre. C'est pas une journée complète de déplacement, c'est quelques heures. Même si on est au lac Eyasi pour voir les Hadzabi que je vous ai montrés, qui sont dans ce coin-là, près du lac Eyasi, ben, on peut rentrer directement dans Ngorongoro par la petite porte arrière. Et à ce moment-là, ben, tout se fait vraiment facilement. Donc, c'est l'avantage du nord de la Tanzanie, c'est la proximité et les déplacements faciles. L'autre truc, c'est le Masai Mara, si vous voyez ici, c'est vraiment la continuité du Serengeti. Donc, quand on parle des migrations dans le Masai Mara, on parle de la migration du Serengeti. C'est vraiment de cela qu'on parle. Donc, je vais vous montrer un petit peu chaque parc, les avantages. Arusha National Park, c'est un petit parc qui est très vert, très petit, qui est situé très près d'Arusha. Donc, pour une petite journée, ça peut être vraiment chouette. C'est possible de faire de la marche. Donc, pour les gens plus actifs, ça leur fait une diversification. Vous marchez à travers les animaux. Donc, ça peut être très, très chouette. Le Tarangire, c'est vraiment la place des éléphants où tu vois énormément d'or d'éléphants de baobab. Il y a un côté très, très joli, très romantique au Tarangire. Je sais que l'imaginaire des gens a souvent été frappé par le petit prince de Saint-Exupéry, surtout les francophones. Donc, ça, c'est des baobabs, mais à de vue, il y en a un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Donc, il y a quelque chose de très, très chouette. Personnellement, je pense que c'est mon parc préféré, le Tarangire. Et c'est excellent dans la saison sèche parce que la rivière Tarangire, qu'on a vue plus tôt ici, je vais vous la remonter. Ça, dans ce parc-là, il y a cette rivière-là aussi qui permet aux animaux de s'abreuver en période de sécheresse. Donc, c'est quand même un avantage. Sinon, il y a le Serengeti. Donc, le Serengeti, ça, c'est le Serengeti dans la migration. Vous voyez, chaque petit point, c'est un animal. Il y en a à perte de vue, vous regardez à droite, à gauche, il y en a, vous vous retournez le bord, il y en a. C'est énorme, la migration. Cependant, le même genre d'emplacement, sans la migration, c'est désert, il n'y a personne. Et là, on peut faire 2 heures de temps, voire deux, même 3 heures de temps, et voir aucun animal. C'est vraiment, il y a un... c'est pour ça que je dis... C'est important de savoir où sont les animaux, c'est important de choisir notre lodge si on veut vraiment apercevoir la migration en fonction, de ne pas mentir aux clients, de dire « OK, cette période-là, c'est possible, vous avez des bonnes chances ». C'est jamais 100% sûr parce que la migration, c'est imprévisible, ça va avec les pluies, ça va, mais on a quand même des bonnes chances en regardant où est-ce qu'on va dans Serengeti, sinon, à la partie centrale, c'est une partie où là, les animaux ne migrent pas. Ils sont résidents l'année. Donc, on peut toujours avoir cette option-là qui est une bonne option. Tout le monde connaît le cratère du Ngorongoro. On en a entendu parler, les dents des animaux. Ça, c'est le cratère. À l'intérieur, il y a des centaines d'animaux. On peut aussi apercevoir le rhino noir, parfois de loin. Mais c'est vraiment très, très beau comme parc. Je vais revenir sur ma carte que j'avais il y a quelques instants. Ça, ici, c'est la région du Ngorongoro. Le point foncé ici, ça, c'est le cratère. Okay? Comme vous voyez, c'est vraiment un petit point dans la région de conservation. Et absolument, c'est tout ce qui est vendu. Par contre, la région, l'aire de conservation du Ngorongoro, c'est magnifique. Ça nous permet d'avoir des rencontres Maasai, mais vraiment authentiques avec les Maasai qui restent là-bas.
des belles discussions. Souvent, on utilise les gens de là-bas pour nous guider dans nos marches. On peut faire des marches pendant un, deux, trois jours dans la région de conservation. Et là, les chances qu'on aperçoive des gens, c'est à peu près zéro. Dans la région de conservation, cependant, il faut, si on veut faire plus qu'une journée de marche, en général, il faut accepter d'y aller peut-être en dome tent. Comme ça, à ce moment-là, on utilise les dome tents, on a une tente. Les lunchs sont excellents. Ça va être une très bonne, simple, très, très bonne nourriture. Trois, quatre services. Vous pouvez avoir votre bière, votre petit verre de vin. À la fin de la journée, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du coucher, ça va être des stretchers. C'est des. C'est quoi un stretcher? Un lit de camp avec des matelas sur le dessus. Puis on peut mélanger ça des fois, même avec des gens, ça nous est arrivé, ça se fait bien, même avec des gens qui sont dans du 4-5 étoiles, parce que l'expérience Ngorongoro nous permet de balancer le 4-5 étoiles, parce que ça nous amène une expérience qui est incroyable. Moi, pour faire de la marche, pour l'avoir faite, c'est un de mes endroits préférés. C'est pas trop chaud non plus, parce que vous êtes dans les Highlands de Ngorongoro, donc en altitude. Surtout juillet, août, c'est même assez frais. Donc, c'est vraiment, c'est agréable à marcher comme place. Bon, mon deuxième point. Maintenant qu'on a fini, pourquoi la Tanzanie, c'est une destination hors des sentiers battus? Je dirais avoir la bonne compagnie pour ce que vous souhaitez faire. Je dirais qu'il existe à peu près trois types, puis là, je fais vraiment une grosse généralité, trois types de compagnies. Il y a des compagnies à départ et à volume fixe. Ces compagnies-là sont excellentes dans ce qu'ils font. Ils font des trucs un peu comme Tui, des trucs, des gros catalogues dont, avec des départs fixes. C'est un peu des trucs comme Pullman, Ranger. Je ne sais pas comment ils s'appellent en France, mais ça, ils sont excellents. Ils ont des prix coupés sur certains hôtels, donc les Serena, les Sopa, même les groupes, certains groupes d'hôtels. C'est sûr que leurs prix vont être réduits, tandis que pour nous, si vous demandez exactement les mêmes itinéraires que ce que en groupe, que ce que Pullman vont sortir, ah ben c'est sûr que je n'aurai pas les mêmes prix. Mais par contre, nous, on a quand même un choix, on a quand même des bons avantages parce qu'on peut utiliser des lodges, pas nécessairement dans ce portfolio-là, mais qui vont vous donner une expérience beaucoup plus grande. Les compagnies, le deuxième type de compagnie, c'est des compagnies possédant leur propre lodge. Deux exemples en France, c'est Tanganyika et Orpiz. Pour leur segment, pour ce qu'ils offrent, ils sont très bien, mais ils vont offrir que leur lodge ou pratiquement que leur lodge. Ils vont commencer vraiment par essayer de faire ça. Et c'est bien, mais si votre client ne fonctionne pas avec leur lodge, ne veut pas ce type d'hébergement-là, à ce moment-là, c'est un petit peu plus complexe. Et sinon, il y a des compagnies spécialisées en aventure, avec des guides formés en plein air et sur le Kilimanjaro. Et ça, c'est un peu une compagnie comme nous, on est. Donc, on est capable d'amener des gens un petit peu plus loin dans l'aventure en raison de la formation des guides et de la formation sur le Kilimanjaro. Donc, un guide formé sur le Kilimanjaro, ça fait, quand il fait du walking dans une région de conservation du Ngorongoro, ben, il connaît très bien la difficulté des gens à la marche, il connaît très bien la difficulté de terrain. Donc, il est capable de prévoir, d'anticiper les problèmes qui peuvent survenir sur le terrain. Et ça, c'est une grande, grande force quand on fait de l'aventure. C'est vraiment de pouvoir bien enseigner aux gens quoi apporter, comment le faire, etc. Et ils ont vraiment des connaissances aussi en premiers soins qui sont beaucoup plus élevées que la majorité des guides, parce que sur le Kili, ça peut être une question de vie ou de mort, tes connaissances en premiers soins. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce côté-là. Ils savent aussi interagir avec les populations locales, parce que c'est vraiment, ça, c'est une technique qu'on forme les guides à, de rendre l'expérience authentique et de faire en sorte que cette expérience-là amène le client dans une nouvelle connaissance de ce qu'est l'être humain. Donc, c'est vraiment un côté que nous, on travaille beaucoup avec nos guides et ça fait vraiment une différence. Un guide qui est plate pendant 7 jours de temps, tu es assis avec lui pendant 7 jours de temps, excusez-moi, plate, c'est un terme québécois, mais quelqu'un qui n'est pas le fun, là, il est ennuyeux, ah ben, c'est ennuyeux longtemps, 7 jours de temps. Fait que c'est vraiment important d'avoir une sélection de chauffeurs vraiment hors pair. Donc, sur nos certifications acquises à East African Voyage,
Quand vous choisissez une compagnie, c'est important de regarder ces trucs-là et de savoir qui sont vraiment là-dedans. Brela, c'est absolument votre tour opérateur doit être enregistré Brela. S'il n'est pas enregistré Brela, ça veut dire qu'il ne peut pas opérer officiellement en Tanzanie. Donc, s'il ne peut pas opérer, ben, il va y avoir des problèmes à quelque part à l'entrée des parcs, etc., etc. Membre de TATO, Tanzanian Association of Tour Operators, c'est un des grosses associations, il y en a deux, TATO et KIATO. TATO, je dirais, la plus sérieuse. Il faut obligatoirement être membre d'une des deux associations. Nous, en plus, on est RTTZ, c'est Responsible Tourist Tanzania. Donc, on a tous les critères pour être écotouriste. Donc, on favorise vraiment l'écotourisme dans notre compagnie. Un des trucs qu'on fait un peu hors normes, c'est que la majorité des compagnies donnent des petites bouteilles d'eau dans les Jeeps. Nous, on ne donne pas des bouteilles d'eau. On a ce qu'on a, c'est une grosse bouteille, un refillable, c'est un 20 litres, et on remplit les bouteilles, les gourdes des clients. Ça fait en sorte qu'on pollue beaucoup moins. Il n'y a pas de centre de recyclage en Tanzanie. On essaie de vraiment pas nuire à la nature qu'on veut observer. Donc, ça, c'est un des petits trucs. Puis là, je vous donne un des exemples qu'on fait dans d'autres. On est Travel Life. Travel Life, c'est une accréditation européenne. On fait partie de Carbon Tanzania. On est Kilimanjaro Portrait Association Project. Kilimanjaro Portrait Association Project, je vais juste revenir dans la prochaine slide. Et nos directeurs sont moniteurs de premiers soins pour le parc, pour la Croix-Rouge, et ils sont accrédités de le faire. Donc, on fait beaucoup, même à l'interne, de formation, guide et de formation, même avec les porteurs, on s'en occupe beaucoup. Sur le Kilimanjaro, parce que si vous êtes intéressé sur le hors des sentiers battus, le Kilimanjaro a peut-être une importance pour vous. Comment bien trouver une compagnie sur le Kilimanjaro? Ben, s'assurer que la compagnie ait son brela pour le Kili, parce que les autorisations pour Safari ne sont pas les mêmes que les autorisations pour le Kilimanjaro. C'est deux choses différentes. S'assurer que la compagnie soit capable. Kilimanjaro Porter Association Project, c'est la seule association qui s'assure et qui nous envoie un guide pour faire un audit à toutes les montées pour s'assurer que tous les droits des porteurs sont respectés. Quand on parle de droits de porteur, on parle de minimum. On parle de 3 repas par jour, on parle de tente adéquate, on parle de s'ils tombent malades, qu'on les amène à l'hôpital. On parle qu'on leur vole pas leur salaire, qu'on leur laisse leur salaire et qu'on vole pas le type et que personne, ni les guides, ni eux, donc ils signent à chaque fois des feuilles de type pour être sûr que c'est bien divisé et qu'il n'y a pas de vol ni de la part du bureau, ni de la part des guides en chef. Vraiment, c'est des trucs de base. Et être membre de Kilimanjaro Porter Association, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça fait en sorte que ça vous assure vraiment un meilleur, comment je dirais, une assurance que vraiment les guides, les porteurs vont faire leur travail. Le concept, c'est si vous traitez bien vos employés sur le terrain, en général, ils vont bien traiter vos clients, ce qui n'est pas le cas dans toutes les compagnies. Fait que je vais sauter sur mon CAPAP et après revenir. Le troisième point qu'on avait, les itinéraires intéressants. Deux itinéraires similaires, mais très différents. Un à 800, ça c'est vraiment un exemple qu'on a calculé, là, 847 $ et un à 1084. Première journée, Serengeti, Serengeti. Deuxième journée, Ngorongoro. L'autre, Serengeti. Troisième journée, cratère sorti vers Karatu. Troisième journée, cratère sorti vers Karatu. La grosse différence, c'est la nuitée ici dans le Serengeti. Ici, la nuitée dans le Ngorongoro. Et là, tu regardes ça, tu dis, waouh! C'est la même chose, hein? Une nuit dans le Ngorongoro, une nuit dans le Serengeti. On va y aller pour le 848, c'est meilleur. 847, c'est meilleur. Faut faire attention avec les itinéraires. Première journée, c'est la même chose parce qu'ils se rendent dans le Serengeti, il n'y a pas de différence. Deuxième journée, il faut savoir que les permis de parc, c'est que 24 heures. Donc, pour couper dans les frais, ils ont coupé dans les permis de parc. Donc, si on est rentré dans le Serengeti à 1h30, il faut ressortir du Serengeti pour 1h, 1h30. Donc, ce qui fait la journée 2, c'est un départ pour un safari, mettons, à 7 heures du matin. Donc, vous faites un safari où là, vous allez dans les petits, l'arrière-pays du Serengeti, je dirais, les routes arrière du Serengeti, entre 7 et 10 heures. Et là, à partir de 10 heures, il faut que vous en ayez à Gate
pour pouvoir sortir dans la région de conservation du Ngorongoro pour passer la nuit, pour pas payer plus que 24 heures de permis dans le Serengeti. Donc, ce que ça vous fait, ça vous fait vraiment un safari dans le Serengeti de 3 heures et une nuitée dans le Ngorongoro. Mais à ce temps-là de l'année, au mois de juillet, les animaux, comme on a vu tout à l'heure, sont pas dans le sud, ils sont dans le nord. Donc, vous allez passer pendant 3 heures de temps pratiquement sans animaux, et dans la région de conservation, il n'y en aura pas beaucoup, sauf dans le cratère, qui là, les animaux n'aiment pas. Donc, ça vous fait une journée qui a vraiment 3 heures de grosses activités safari, le reste, c'est du transfert. Tandis qu'ici, vous avez une journée de 11 heures uniquement en observation d'animaux dans le Serengeti. Ce que vous allez voir en 11 heures de temps, ah ben, c'est beaucoup plus intéressant, vous risquez de voir des trucs vraiment plus exceptionnels que ce que vous pouvez voir en 3 heures de temps. Donc, il y a vraiment une différence ici de qualité. Puis, dans le jour 3, il y a le. Dans le jour 3, à. Dans le jour 3, ici, il faut qu'il ressorte du cratère à 11 heures. Fait que ça veut dire qu'à 1 heure, tu es sorti. 1 heure de l'après-midi, tu es sorti du parc. Donc, il y a juste 4 heures et demie d'observation dans le cratère. Tandis que l'autre, c'est vrai qu'il arrive du Serengeti, il y a une grosse journée. Il y a l'observation dans le cratère, mais ils sortent en fin de journée, vers 5h30, 6h. Donc, ça fait vraiment une différence sur ce que le client reçoit de la prestation. C'est vraiment pas le même, je dirais, en français, la même game. L'autre chose, différence entre les budgets pour une tente. Les tentes de luxe, tout le monde dit une tente de luxe, une tente, une tente, et pas vraiment. En Tanzanie, un campement 3 étoiles, puis ça, c'est vraiment un truc qui va ressembler à ça. Alors, tes lits, c'est confortable, t'as des lits, à l'arrière, t'as une toilette, peut-être sèche, peut-être avec l'eau, peu importe, mais t'as une toilette et douche à l'arrière. Et c'est assez basic, la nourriture va être bonne, mais basic. Tandis que dans un campement 4 étoiles, ben déjà, t'as un plancher, t'as un petit plus esthétique, je dirais. On s'est forcé un peu pour avoir un meilleur esthétique. T'as aussi la douche, les trucs. Et dans un campement 5 étoiles, ah ben là, c'est la classe, hein? T'as une baignoire avec vue sur le Serengeti, t'as des chaises, t'as un petit foyer à même ta tente. Bref, t'as vraiment un truc complet, une expérience complète. On n'est pas dans les mêmes prix, on n'est pas dans les mêmes gammes de prix, mais il y en a un peu pour tout le monde. Donc, ça, je vais vous donner une idée de pourquoi un budget en tente peut être aussi différent de passer de 150 $ la nuit à 1 500 $ la nuit. C'est pas les mêmes tentes, c'est pas les mêmes expériences, c'est pas la même nourriture non plus. Donc, c'était mon petit truc tente. Pourquoi c'est si cher en Tanzanie? Ça, je me fais demander ça souvent. Les frais de parc, c'est une tuerie en Tanzanie. C'est une journée de frais de parc, si on couche à l'intérieur des parcs, on parle de 150 $ par personne par jour. Quand on fait le cratère du Ngorongoro, cette journée-là, juste en frais de parc, elle nous coûte 275 $. Ça fait mal un peu. Donc, la Tanzanie, c'est quand même des budgets qui sont importants. Il n'y a pas d'autobus, donc bon, c'est un maximum de 6 personnes. Donc, même si vous êtes un groupe de 25 personnes, les prix ne sont pas si coupés. Il y a très, très peu de self-drive en Tanzanie. Ça coûte plus cher faire du self-drive en Tanzanie que de faire du que d'être accompagné d'un guide. C'est mal balisé, c'est pas fait pour le self-drive. On n'est pas en Afrique du Sud, donc vraiment, c'est vraiment pas à recommander. Et oui, ça coûte plus cher parce que les gens louent leur voiture, sachant que les gens vont avoir des problèmes. Donc, ils incorporent le prix d'avoir à les aider dans ce prix-là. La police va les ennuyer, ils vont avoir énormément de chai à donner. C'est vraiment pas fait. Moi, je déconseille complètement le self-drive en Tanzanie. Comment baisser les prix et garder la qualité? Des petits trucs. Proposer des combos safari Zanzibar. En gros, un séjour safari 3-4 étoiles, on parle d'un budget d'à peu près 3 500 à 2 personnes. OK? Donc, si on ajoute 5 jours de Zanzibar, on arrive à un 11 jours, on peut s'en tirer en proposant des lodges 3 étoiles à Zanzibar sur un prix d'à peu près 4 400. Donc, ça revient à 400 $ la journée à la place de 550 $ la journée. Donc, ça fait comme une espèce de petite économie de masse. Ça permet un meilleur rapport qualité-prix par journée pour les clients. Puis Zanzibar, c'est quand même très intéressant. C'est une destination de balnéaire qui est très jolie. Utiliser les journées du début ou à la fin du safari
avec des journées sans voiture. Donc, soit que vous trouvez un lodge qui a des activités près, comme des randonnées pédestres, des randonnées à cheval, des activités café. Soit que vous les mettez pendant 2, 3 jours dans un lodge un peu comme on vous a montré au début, le Amini Masai Lodge, qui était un lodge, celui-là, je peux vous le remontrer si vous ne vous en rappelez pas. C'est cet endroit-là. Ou vraiment, à partir de là, vous faites des randonnées, vous faites une expérience Maasai. Et là, si vous restez 2 ou 3 nuits, vous n'avez pas besoin de payer des suppléments de voiture. Donc, ça vous permet de baisser un petit peu les prix. Ou faire des journées homestay. On travaille beaucoup avec une maman tanzanienne qui fait des cours de cuisine, qui vous montre. Ils sont deux, elles sont trop gentilles. Et en général, les gens repartent en adoration avec ces mamans-là. Donc, ça, c'est vraiment un truc chouette. Sinon, maximiser les voitures, c'est sûr que si vous avez un groupe déjà, le prix, comment je peux dire, le prix maximal, le turning point en Tanzanie au niveau des prix, je vous dirais, c'est à 4 personnes par voiture. Si vous êtes 4 personnes si vous avez un groupe de 4 personnes, qui n'est pas énorme, qui est relativement assez facile à combler, déjà, vos prix sont intéressants. Bon. J'ai déjà parlé trop longtemps, j'ai déjà 7 minutes de plus que ce que j'étais supposée. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. C'est le temps des questions, je vais répondre à vos questions et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Non? Personne n'a des questions? Bon. Ben, si vous pensez à vos questions, en attendant, ça va me faire plaisir. Un truc que je pourrais vous dire aussi en des sentiers battus, souvent les gens me demandent à Zanzibar. Zanzibar, c'est vrai que c'est rendu beaucoup plus touristique. Si vous cherchez une destination balnéaire qui est beaucoup moins touristique, moi, j'irais du côté de Pemba pour les amateurs de plongée. Là, il y a de la plongée, mais exceptionnelle à Pemba. Ou j'irais sur la côte, à Pangani, où il y a vraiment des jolis lodges. Et là, il y a beaucoup moins de touristes. Mais dans les deux places, vous n'avez pas le côté Stone Town. Donc, vous n'avez pas l'aspect ville, l'aspect culturel arabe que vous allez avoir sur Zanzibar. Ah, la bonne question est là. As-tu le détail des prix de parc? Oui, on a le détail des prix de parc. Ça, c'est ce que j'ai fait dans les prix de parc. Je peux vous les donner. C'est en ligne, c'est officiel. C'est bon, environ là, c'est environ 45 $ pour Manyara Tarangire à Oceanation Park et Serengeti Ngorongoro, c'est environ 75 $ par personne par jour pour 24 heures. Mais au-delà de ces prix-là, il y a les frais de concession. Donc, il faut à chaque fois, soit que si les lodges sont dans la région de conservation près des parcs ou dans le parc, il y a un frais supplémentaire qu'on doit payer entre 35 et 50 $. Donc, c'est pour ça que je disais que les frais de parc reviennent à 85 à 125 $ au total quand on considère la nuit qu'on utilise après. Est-ce que ça répond à la question? Puis ça, sont en ligne sur le truc. Quel vol prendre depuis la France? France, aéroport de Kili, est-ce en direct? Non, la France, aéroport de Kili, c'est pas en direct. Vous avez France, vous pouvez prendre France Nairobi avec KLM, là, les plus faciles, c'est France Nairobi, Nairobi, Kilimanjaro ou France Amsterdam, Amsterdam, Kilimanjaro. Sinon, ça c'est pour KLM, vous avez Ethiopian Airlines, vous avez Qatar, vous avez Dubaï, vous avez Air Maroc. Air Maroc, c'est via Nairobi, donc ça va être 2, c'est moins. Mais éthiopienne, je dirais que la majorité des gens venant de France, ils viennent soit par éthiopienne, soit par KLM. C'est les deux plus, il n'y a pas de direct sur Kilimanjaro. Cependant, un truc, si les gens vont faire, concernant les vols, si les gens font un stop à Zanzibar, tous les vols, vous pouvez arriver sur Kilimanjaro et repartir soit dedans, soit de Zanzibar. Faites attention pour ne pas faire arriver sur Kilimanjaro, repartir de Kilimanjaro s'ils ont une extension balnéaire. À ce moment-là, ça va vous coûter beaucoup plus cher de les faire revenir à Kilimanjaro. Ils vont perdre une journée complète à place de perdre un vol Zanzibar-Dar, c'est 15 minutes. Là, ils vont perdre la journée complète parce qu'en général, les vols Zanzibar, ils font Zanzibar-Arusha et là, il faut reprendre l'auto pour retourner à Kilimanjaro. Il y en a certains qui font Zanzibar-Kili, mais ils sont souvent annulés.
Donc, c'est un peu problématique. J'espère que ça répond un peu à la question sur les vols. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Bon, ben. Dans ce cas-là, j'attends quelques instants. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, je vais vous laisser. Combien de guides attitrés francophones on a? Nous, on a une vingtaine de guides francophones attitrés. Personnellement, comme entreprise, je ne fais pas de supplément si vous me demandez un guide en francophone. Je dois seulement le savoir à la base. Sur le Kilimandjaro, j'ai certains guides en chef qui sont francophones, mais j'en ai pas assez pour subvenir à la demande. Donc, ce que je fais, c'est que souvent, c'est soit des assistants guides, soit des guides qui ne sont pas guides en chef qui vont monter. Parce que pour être guide en chef, c'est vraiment, faut beaucoup d'années d'expérience et il faut aussi beaucoup de connaissances en premiers soins. Donc, pour pallier à ça, ben, je vais mettre l'assistant guide qui parle français. Et en Tanzanie, il y a beaucoup de freelance, donc c'est possible d'aller chercher aussi d'autres guides francophones au besoin. Ou conseiller des marches pour varier le voyage? Ah, les marches pour varier le voyage, moi je vous conseille, ben, ça dépend combien de temps vous avez, soit à West Kilimanjaro, près de la Mini Maasai Lodge, ça c'est très chouette pour faire une ou deux journées de marche là-bas. Dans la région de conservation du Ngorongoro, parce que ça peut vraiment maximiser le safari entre deux places. Donc, vous avez vraiment un potentiel de ce côté-là. Et dans cette optique-là, dans le Ngorongoro, cependant, si vous faites plus qu'une journée, il faut penser que les gens doivent faire du camping. Donc, il y a des gens à qui ça plaît énormément, il y a des gens qui sont un peu récalcitrants à ça. Sinon, la Kayasi, quand vous faites la journée avec les Hadzabé, vous marchez énormément parce que vous allez à la chasse avec eux, donc eux, ils marchent vite. C'est quand même une bonne marche. Sinon, il y a des activités dans le coin de Karatu, juste à l'extérieur des parcs, où on peut faire des journées de marche et d'activités culturelles et ou des trucs comme le ziplining. Une journée, même, vous pouvez prendre une bicyclette de Mutuambo, vous rendre au lac Manyara en bicyclette et revenir. Donc, ce n'est pas nécessairement de la marche, mais c'est une activité alternative. Si vous passez par le lac Natron, au lac Natron, il y a vraiment des très, très belles marches à faire. Vous pouvez aller voir une chute d'eau. Donc, il y a vraiment plusieurs points où vous pouvez intégrer dans votre itinéraire une, deux, trois journées de marche pour varier vos activités, pas faire safari, 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 safari en voiture. Est-ce que ça répond à votre question? De rien. Elle disait merci. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je vais vous laisser jusqu'à une petite minute pour y penser. Et puis, ça nous a vraiment fait plaisir. Allez voir notre site web avec plaisir. Vous allez avoir plus d'informations. Puis, quel est l'intérêt des parcs du Sud? On en parle peu. L'intérêt des parcs du Sud, moi, je dirais qu'il y a un très grand intérêt dans les parcs du Sud parce qu'il y a une nature qui est encore beaucoup plus sauvage. Ils sont moins accessibles, c'est plus difficile de s'y rendre dans certains cas. Ils sont pas comme le parc de Selous, c'est pas accessible toute l'année. Il y a certains mois dont on peut pas y aller. Par contre, il y a une nature qui est beaucoup plus intacte. Donc ça c'est le mais le problème des parcs du Sud, c'est que si vous faites Selous, pour changer de parc, c'est une, deux journées de voyagement où vous preniez l'avion d'un parc à l'autre. Donc, l'intérêt, oui, c'est vrai qu'il y a une très grande authenticité sur les parcs du Sud.
C'est plus dur à vendre. Je dirais que les parts du Sud, c'est parfait pour les repeaters. Les gens qui reviennent, qui font un deuxième voyage en Tanzanie, souvent sont très intéressés à aller dans le coin de Selous, dans le Sud, pour voir quelque chose de différent que ce qu'ils ont vu la première fois. Mais c'est la différence, c'est que c'est, ouais, vous allez voir moins de diversité en tant que paysage dans les parts du Sud que ce que vous voyez dans le Nord. Parce que le Tarangire, à 1 heure, vous êtes dans le Ngorongoro. À 45 minutes, vous êtes dans le Serengeti, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Ce que tu as moins dans le sud, il faut vraiment que tu voles d'un parc à l'autre pour changer. Mais on en vend aussi, c'est moins facile à vendre, je dirais que c'est plus spécialisé comme demande. Ça marche bien avec, ouais, je dirais que ça marche beaucoup, beaucoup avec les repeaters. Ou les gens qui sont sur Zanzibar et qui ont juste 2 jours, à ce moment-là, Selous, Ruaha, c'est des options qui sont sympathiques. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça me fait plaisir d'y répondre. Non. Est-ce qu'on est à la fête des questions ou j'ai d'autres questions? Bref, eastafricanvoyage.com, vous avez nos contacts, soit info, soit Julie à eastafrican voyage, ça va nous faire plaisir si vous pensez à d'autres questions éventuellement. Je donnais ici, juste avant qu'on parte, je donnais ici un petit exemple des budgets pour un 7 jours safari. T'sais, camping public, une partie en privé, une partie publique, tout dépendant du nombre de. Pour un 2 PAX. Et là, si vous êtes 3 PAX, vous réduisez d'à peu près 20 %. Si vous êtes 4 PAX, vous réduisez d'à peu près 30 %, tout dépendant là, si vous êtes dans le luxueux ou pas. Donc, il y a vraiment une réduction quand vous augmentez jusqu'à 4, puis après ça, la réduction tombe de vraiment moins grande. Donc, ça vous donne une petite idée des prix ici sur un 7 jours typique, un peu en camping, un peu en hôtel. Ici, tous en camp, un peu comme les campements qu'on vous a demandé et en hôtel. Du 4 étoiles, du 5 étoiles, juste pour vous donner une petite idée des prix et des portefeuilles que la Tanzanie peut demander. C'est important de garder un bon portefeuille. Il faut vraiment pas. C'est préférable, je dirais, de dire à un client, revenez l'année prochaine, conservez vos sous, revenez l'année prochaine, puis payez-vous un beau voyage parce que c'est un voyage que les gens ne reviennent pas parce que les prix sont assez chers. Donc, c'est vraiment important de bien le faire. Ça, c'est un des conseils que je vous conseillerais. D'autres questions? Non? Bon, mais ça fait déjà 50 minutes que je parle. S'il n'y a pas d'autres questions, bien, je vais vous dire à bientôt et au plaisir de vous voir soit en Tanzanie ou soit de vous avoir au téléphone pour vous donner d'autres conseils directement.